Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Shelter 2, saison 2, la revenge. Bon, mine de rien. Donc, sur la petite pause que j'ai fait entre deux enregistrements, j'ai été voir, j'ai vu qu'il y avait les jeux du mois de février hein, qui étaient annoncés là. UFC 4, Tiny, je sais pas quoi, Tiny Tina, machin, j'ai pas trop compris ce que c'était, j'ai pas trop fait gaffe. Et il y avait aussi Rollcaster. Donc Rollcaster, c'est un jeu que j'aime bien, mais c'est pas vraiment un jeu où je vous ferai les découvertes, hein, mais très franchement, peut-être pas un truc qui va faire. Long dans le. Alors, on va continuer dans le charisme et confiance en appelant à la radio. D'accord, on va faire ça. Ah, voilà. Donc, on va faire jusqu'à avoir armée du salut. Hein, je vous le dis très franchement pour le moment. Et par la suite, on verra ce que l'on fait. Peut-être accélérer la marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Adore. Bah, faites le machin. On va fuir. Pas de combat, s'il te plaît. Non, mais je veux pas combattre contre eux. Bon, bah écoutez, on va. J'espère juste que. Oh là là, fait chier. Alors, si à chaque fois je vais manquer, ça va pas être bon, ça. Alors, oui, je sais. Oh putain, il bloque en plus ce con. Est-ce que j'ai une compétence à deux? Non, ça m'étonnerait. Mais non, j'ai rien. Ah, puis il a un machin à pointe en plus ce con. Oh putain, il y a un contre. Oh, c'est chiant. Allez, saignement. Connerie. Étourdi. Comment je peux encore le manquer, putain de bordel de merde. Attends. Il n'y a pas de description. Je peux rien lui faire. Ah, ça va donc me casser les bonbons, ça. Deux, bah non, je peux plus rien faire. Ah, mais vas-y, si tous ils manquent leurs attaques, c'est quoi ce bordel, quoi? Non, il veut pas. Regardez, il va plus être étourdi que. Putain, c'est vraiment de ouf. Thank you.
comprenez pourquoi j'aime vraiment pas les ces kebabs là. Ils sont relous. Putain, il bloque. Tranquille, quoi. Si, je peux encore taper, je crois. Oui, correct. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il est en train de me maltraiter tous mes personnages, quoi, je te jure. C'est bon. Ah, vas-y, tu sais quoi, ta race? Ah, oh, vas-y, j'ai pu. En compétence, j'ai quoi? J'ai du jet de sable qui me prend 3, d'accord, ok. C'est bon, j'en ai marre là. D'un moment, ouais. Fuck quoi. Je peux rien faire d'autre, finir le tour. Allez, putain, le relou. Je vais même pas pouvoir tout prendre, quoi. Ça me fout en rogne. Ah ouais, je pense que je perds pas des points de trucs avec quand je les tue pas. J'ai perdu ou j'ai. Attends. Contacter faction. J'avais gagné 30. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est tellement bizarre ça. C'est ouf. Putain. Par contre, ça m'agace, ouais. Gary avait monté, hein, c'était ça, hein, ouais. Putain. Ils font chier aussi, là. Météo. Non. Il faut d'abord que je fasse l'éolienne. Et après, je verrai pour les améliorations, parce que sinon... Vas-y, allez, Dark, va répare et va faire de l'exercice. Ah, quelle déception! Quelle déception! Après lui, on le jettera entre guillemets. Et comme ça permettra de. Ah putain, il y a des chaînes. Ah, bon. On va faire du tri. On va faire comme ça, déjà, ce qu'on peut prendre. Qu'est-ce qu'il faudrait que je laisse? Est-ce que je laisserai pas ça? Ça fait 5, 0, 5. 25. Le problème c'est que je sais plus pourquoi j'ai besoin du magnésium. Du coup ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace.
Ça. Bien sûr, je peux pas. Tu peux me raconter ça. Bien sûr, je peux toujours pas. Putain. Vas-y. Hop. On va faire comme ça. L'os, j'en veux pas. L'os, j'en veux toujours pas. Américain, je vais en dégager un. Tant pis. Non, oh putain, fais chier de bordel de merde à couilles. Va supprimer toutes les étapes, on va les faire rentrer directement. C'est pas la peine de continuer, on est surchargé. J'ai les choses qui m'intéressent. C'est surtout ça aussi. Voilà. Non, putain de bordel de couilles. Modifier l'itinéraire. Supprimer toutes les étapes. On rentre à la base. On confirme. Merci. Au revoir. Hop, voilà. Gary va ronquer, d'accord. Ok. La priorité c'est vraiment les chances de bloquer, ouais. Donc il faut qu'on leur mette, il faut que je leur mette pas mal de dextérité parce que là ça me saoule quoi. Ça me saoule énormément. Voilà. Le courage. Santé max, résistance aux radiations, la durée des maladies, perception, nombre d'objets trouvés pendant les fouilles, le temps donné pour désamorcer les pièges, bon ça j'en sais rien. Charisme, chance de réussir à recruter des inconnus, chance de développer des machins positifs, meilleur prix pour les échanges, intelligence, durabilité max des objets fabriqués, qualité des objets, donc dextérité, la priorité au combat, les chances de bloquer et éviter les attaques, et quelles armes à distance peuvent être équipées. Donc on est d'accord. Ça veut dire mets-moi de la dextérité, bordel de merde. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc Gary. On est d'accord, Gary n'a pas encore sa prière là. Armée du salut, s'il vous plaît, quand même. Donc après, tu reliras de nouveau un livre sur l'armée du salut. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein, tu vas apprendre l'armée du salut. Oh putain, ils sont même pas sur notre territoire encore. Oh là là. Allez, fuyez. Ah, vas-y, ta race. Bon, on essaye la tête. On fait un tour la tête. Si ça marche pas, on fait. Il bloque, ce con, il bloque. Ah, ils vont tous travailler la dextérité, croyez-moi. Oui, si, la dextérité. Ah, poc. Ça, j'aime bien le poc. Le poc, c'est bien. Donc, finir le tour. Attaque dans la tête. Dans la tête.
Enfin, ça c'est cool. Bon. Oh, il a plein de graines, donc. Hop. Hop. Non, sérieux. Voilà, arrête de me. Du miel, je vais le garder. Ça, par contre, la graisse animale, je vais l'ajouter. Enfin, l'ajouter. Non, je vais pas l'ajouter. Voilà. On peut pas faire mieux. On va faire comme ça. Hein. Ce fut pas mal, ce fut pas mal. Ils vont tous prendre en dextérité, hein. C'est pas c'est obligé. Joyce, tu vas charisme. Le problème, c'est qu'on entend le petit bip, mais on n'entend pas, on sait pas vraiment c'est quoi. Il est dans le noir, ça le fait chier, mais tu commences à me casser les bonbons. Je vais vous mettre des lumières, hein, détendez-vous. Laissez-nous le temps, laisse-moi le temps de. Alors, petite question. Est-ce que. Ah oui, on peut le démonter. Tu me démontreras après, parce que bon, tant qu'à faire, autant avoir de la lumière électrique. Donc, effectivement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Donc, on va le laisser boire. Dextérité et force. Ah, vas-y. Hein. Un marchand. C'est vrai que j'ai pas fait appeler à la radio. J'aurais dû. Oh, il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça, ça c'est sûr. Vingt-deux cinq. Est-ce que je fais le fou? Parce que là, ça commence à devenir périlleux quand même de distribuer toute ma bouffe comme ça. Honnêtement. Ouais, 22,50. Allez, hop. Casse-toi. Ok. Je sais plus pourquoi il me fallait, hein, mais j'ai vu qu'il me fallait de de l'huile. Je me rappelle que de ça en fait. Il y en a un qui a la traîne. Je peux pas encore les sectionner. Shit. Ok. Joyce, t'as ton armée du salut, donc c'est nickel. Hop, toi tu dégages maintenant de là. C'est bon, je m'en fous. Hop, casse-toi. Va vivre ta vie pour le moment. Juste que vous ayez l'armée du salut, parce que ça peut me limiter les combats, ça m'arrangera bien. Ok. Prends tout. Nos sous-sailles, parfait. Confirmé. Alors, hop, c'est là où ça va devenir compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'on doit ajouter les plans. Ajouter un plan. Ajouter plan. Ajouter plan. Est-ce que avec ce qu'ils ont ramené, je peux faire une fucking éolienne? Non. Putain, il m'en manque une. Ok, bon.
Alors maintenant, il faut faire attention aux choses. Allez. Alors ça, c'est bingo, 144. Ça, c'est nickel, j'avoue. Du bois, t'en veux là. Du minerai. Ça, c'est cool. Donc, il va falloir que je prenne les consoles cassées. Il va falloir que je prenne les consoles cassées. Bon, et ben on va garder pour le moment. Répulsif animaux, ça donne de l'ail et du gingembre. Des cures. Des cures, on a tout ça, c'est cool. Bon, malheureusement. Du coup, on n'a pas de pile. C'est un petit peu relou. Attendez. Santé. Est-ce qu'il y en a une qui est blessée? Parce qu'il me semble qu'il y en avait une qui avait saignement. Non, tout le monde est OP. Ok, bah ça me va, moi alors. Bon. On a la plante là-haut. Donc Joyce qui ne fait rien. 366. Elle va arroser la plante, déjà pour commencer. Ensuite, allons voir. Gary, non. Dark, non plus. Roman. Okay. Pardon, Roman, en charisme. C'est quoi ça déjà? Compétence de soin, tentative d'égarer un personnage de la peur, de 100% succès. Mais ça, c'est en action, donc ça, c'est un peu relou. On augmente l'humeur, les minuteries des modifications impositives sont ralenties, des personnages dans la même pièce que ce personnage. Ça peut être sympa. Vitesse de fabrication. Et confiance. Je ne vais pas trop lui demander de faire ça, lui. Par contre, vitesse de fabrication. T'as envie de lui mettre ça, hein? Ok. Roman. Je vais te mettre ça. Parce qu'il y a plus de chances que ça leur arrive, même si effectivement, hein, le fait que. J'ai un peu du mal à voir hein, en bas. Je trouve que c'est pas génial. Hein. Je sais que je me répète, hein, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Hein, mais je trouve que c'est pas très génial ce côté-là de. Ok. Donc je crois que j'ai fait dur. Oui. Encore 5h08. On va lui faire ajouter du carburant. Deux fois.
et nettoyer. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le premier, on pouvait améliorer le bordel, là, le générateur. C'était pas mal. C'était pas mal quand même de pouvoir l'améliorer. Donc il va nous falloir des piles. Alors attendez, non, ça va pas. C'est bon, hop, stop. Ouah, toi. Joyce a augmenté son charisme. Hein? Bon, attendez. Commerçant est arrivé. Joyce, charisme, c'est déjà fait. Courage. 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 Ok. D'accord, mon personnage a dit, vas-y, moi j'ai du poil aux couilles, donc fuckinasse. Donc, pour mon personnage, ça sert strictement à rien de prendre ça. Soyons d'accord. Donc, je vais lui mettre un point dans ça. Et deux autres dans ça. Parce que comme il va rester à l'abri, donc forcément, il va être face à ça, dans cette contrainte-là. Donc autant faire cela. Ça c'est quoi, vaillant? Quand la santé du personnage des champs en dessous de 25%, 100% de dégâts en plus. Ok, pourquoi pas. Soins partagés. Quand ce personnage en soigne un autre, il recharge aussi sa propre santé. D'accord, c'est tranquille, pépère. C'est bien. Donc hop, hop, et on a remarqué qu'il pleuvait. Top. Dextérité et son courage. Gary. Putain. Gary, t'es où? T'es là. Alors, dextérité. Prêt à tout. Améliorer. Et courage. C'est quoi ça? Résistance à la réduit les effets des membres blessés de 25%. D'accord. J'ai bien envie de mettre ça quand même. Hein. Après, le fait qu'il dégueule partout, à part que ça salit, c'est pas plus grave que ça, j'ai envie de dire. 3h05. Qu'est-ce qu'il a, lui? Sans mauvais, aucun objet récolté. Hein? Ah oui, exact. Pardon. Désolé, j'avais oublié. Vas-y, vous embrouillez pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont fracasses? Parce qu'ils sentent mauvais? C'est ça? Bah, va prendre une douche. Qu'est-ce que tu veux me casser les bonbons là? Tu vas le réparer avant. Tu vas prendre une douche. Ah d'accord, on a décidé qu'elle allait dormir avant, d'accord, pas de soucis. Dormir avant. Ok, bon maintenant. Je crois que c'est des plans de niveau 2 qui sont rajoutés. Voilà, parfait. Donc ça, effectivement. Hein. Ah, 20 piles, par contre, j'avais oublié que c'était autant. Ceci. Mine de proximité à gaz, un engin qui émet un gaz toxique peut être
installé à l'intérieur de l'abri pour se défendre contre l'intrus. Déclenche manuellement. S'enclenche manuellement pendant une intrusion. Affectera tous ceux qui se trouvent à proximité. Ah ouais, ça c'est couillon. Un engin qui émet un son et de la lumière peut être installé à l'intérieur de l'abri pour se défendre contre les intrus. S'enclenche manuellement pendant une intrusion. Affectera tous ceux qui se trouvent à proximité. Ça fait chier quand même ça. C'est un petit peu chiant, mais bon. À voir. Bon, avant, on sait qu'on a toujours les pics à faire. Ah bah oui, bah c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait faire de l'huile. Non. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul fabricant, c'est Dark, parce que il fait des trucs plus ou moins de qualité. Donc, bah, pas déconner, hein. Bot, il est là pour fabriquer les objets, il est sûr, lui. Oh là là, le jeu, comment il bug. Déplacement chelou. Elle est en train de prendre une douche. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. En tout cas, ça serait bien. Ah, c'est bon. Le côté. On peut prendre tout. On peut prendre tout. On prend tout. Ok. Donc, Dark, ça tombe bien. C'est lui qui est là. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non. Fabriquer un objet. Donc, niveau 2. Niveau 2. On va faire l'éolienne, bordel de nouilles. Donc, il me faut une plaque de métal. Là, c'est easy peasy. C'est cool. Tac, tu me fais ça. On va se pencher à faire les piles par la suite. Parce que là, on va avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah, je sais pas, des fois, franchement, il fait des trucs chelous. Donc, morale, qu'est-ce qu'elle a en morale? Sang mauvais dans le noir à froid. D'accord, ok. Déjà, tu vas enlever le sang mauvais et comme ça restera au centre. Enfin, là, c'est centre, mais si ça enlève le sang mauvais, elle va avoir plus 5. Donc, c'est cool, ça marche. Ok. Ils sont chiants quand même, hein. Je tiens à le dire, hein. Donc, allez, hop, c'est parti pour la bordel. Là, allez, hop, éolienne. On va le remettre là où on les avait mis, hein, c'était plutôt pas mal. Voilà. Va récolter les plantes, vas-y. Il pleut, ça donne une petite douche en même temps, tu vas sentir mieux, t'inquiète. Non, mais ta race là, je t'ai dit d'aller. Il pleut en même temps, ça te donne une douche. Le temps qu'il arrive là-haut, il va arrêter à pleuvoir, vous allez voir.
qu'est-ce que je disais? Le temps qu'il aille récolter les plantes, Starluff là. Mais putain, Roman, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu mets à quelqu'un dans la douche. Allez, récolte-moi ça. Allez, hop, c'est cool. Good. Allez, hop. Non, non, non. Plante des graines tout de suite. Pour l'instant, tu ne peux pas. De toute façon, donc, c'est notre problème. Voilà, plante ça. L'autre, il est en train de réparer tranquillou. Linda, Robert, tu fais quoi? Tu fais rien, Robert. T'as besoin de rien, Robert. Robert, tu vas lire sur le charisme. Tu vas faire de l'exercice. Je pense que là, ils vont tous passer sur le tapis d'exercice au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que... Linda, elle a quoi? Mais là, elle a pas encore pris sa douche. Prends ta putain de douche, putain de bordel. Tiens, vas-y, prends avec du savon, là. Comme ça, tu vas arrêter de me casser les bonbons. Oh là là. Donc, l'éolienne, elle est prête. Donc, maintenant, on va... Donc, attendez. Faut de jeter. L'éolienne. Alors, par contre, il faut en refaire une autre. Donc, des piles. Comment on fait les piles? Est-ce qu'on peut en faire déjà? Oui, on peut en faire. Ah, du zinc et des copeaux de métal. Toi. Attendez. Qu'est-ce qui manque? Du ciment, forcément. Je peux parce que j'ai du sable. D'accord. Je peux pas le faire. Ah oui, je peux pas le faire. Je suis déjà plein dans ma liste. Con. Je frapperai. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il se tape un de ses délires, le bordel là. Il se tape des délires comme ça. Et bon, il m'a fait mes piles, c'est ce que je lui ai demandé. Je viens me faire ça. Et tu vas refaire un peu de piles aussi. Vas-y, full, full, full. Allez, confirmé. Oublier qu'on va retourner potentiellement en...
Sur ce, les démons vont se laisser là. Hein. Donc, Dark continuera les choses. On va faire ça tranquille ou pépéroum. Donc, on va faire le groupe de batterie. Donc, je vais agrandir le deuxième étage. Je vais agrandir le deuxième étage pour pouvoir décaler un petit peu les choses. Hein. Hein, soyons d'accord, hein, il y a la boisson, le lit. Ici, on va agrandir. On va commencer aussi à penser à faire la salle réfrigérée. Ça va peut-être intéressant à faire. On va agrandir ici pour continuer à descendre les choses, sachant que effectivement, donc ici, tout ça va partir, hein, bien évidemment, et ça va aller au niveau des lits par la suite. Donc ouais, il va falloir agrandir grandement. Donc en fait, si vous voulez comprendre ce que je veux faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc nombre de personnes moins 1, puisque Dark n'a jamais besoin de ce truc, et sachant que la plupart du temps, ils vont être il y aura toujours un groupe qui sera en train de vaquer à ses occupations dehors. Donc au final, je veux dire, ils vont chacun se barrer. Donc ici, donc les deuxièmes étages, c'est tout ce qui est construction et entraînement. Donc on va agrandir petit à petit. Au premier étage, ça sera tout ce qui est énergie. À l'étage du dessous, c'est donc tout ce qui est lieu de vie, nourriture et compagnie. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment je compte faire la chose. Comment faire en sorte que ce soit donc. Au mieux, ça serait de mettre le frigo au bout, mettre la table, donc le petit coin repas, donc mettre deux tables, deux chaises, enfin deux tables pour qu'ils bouffent, et suivi de la douche et des toilettes, voilà, suivi des lits. Parce que si je mets le frigo à l'entrée, ils vont pas aimer, ça va les faire chier, tout ça. Mais je ne sais pas si tout rentre. À l'étage du dessus, effectivement, c'est tout ce qui va être entraînement. Donc en l'entraînement, je vais plus les mettre au départ. Et tout ce qui est construction et fabrication à la suite. Mais il faut que j'agrandisse petit à petit. Donc au-dessus, ça sera énergie. Donc le groupement de piles, au départ, je vais le faire en bas. Mais je vais, enfin, du moins, la recharge de batterie, je vais la faire en bas. Mais après, elle montera, puisque la gazinière descendra. Dans le lieu de vie. Bref. En fait, en vrai, j'hésite. Mais. Je sais pas, on verra. Selon la place qu'on a et selon comment ça va faire. Bref, sur ce, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de vous expliquer vers quoi j'essaye de m'orienter. Donc, on a fait l'énergie. On va faire pour stocker un peu d'énergie. Ça sera plutôt pas mal. On va augmenter le nombre d'éoliennes. On n'oublie pas qu'on a le four à crémation, mais c'est surtout pourquoi on va se faire attaquer pour bazarder directement les mecs dedans. Même s'ils ont envie de bouffer des trucs pourris, je sais pas pourquoi ils veulent absolument bouffer des trucs pourris, c'est complètement. Ils sont starbés. D'ailleurs, faisant penser à cela, est-ce que je peux pas lui faire faire. Voilà, comme ça ils éviteront de me bouffer des trucs pourris. Ils sont fous, ceux-là. Puis ben voilà. Par la suite, donc on va essayer de définir un petit peu plus les salles, agrandir le fait de creuser. Je sais pas si on a des pots de peinture. Je crois pas qu'on ait des pots de peinture. Si? Non, j'ai pas de pots de peinture. On verra bien. J'avais le son, c'est pour ça que j'aime pas. Bref, on se laisse là, on se retrouve la prochaine fois pour continuer dans cette lancée-là. Bref. Et ouais, donc, bon, on verra la prochaine fois. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas le like, le commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être au courant de chaque sortie de vidéo. Et notamment savoir sur quoi je fais des vidéos. Et voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner.
Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.